Veuillez vous asseoir. Alléluia. Cette journée, elle est beaucoup importante. Parce que nous sommes au front spirituel. Amen. Je vous ai dit qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. J'en appelle le monde spirituel et le monde visible. C'est beaucoup très important. Amen. Amen. Ceux qui remportent toutes les grandes victoires sont ceux qui ont compris la spiritualité. Amen. Amen. Oui. Parce que le combat, la victoire est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle et pas physique. Elle est spirituelle. Madame, Dieu m'a beaucoup parlé de toi. Il faut changer. Ça, je te dis la vérité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. La nuit, là, Dieu est revenu sur ton sujet. Tu es une grande sorcière, il faut changer. Mais si tu quittes ici, tu vas aller mourir, et grave. Si tu quittes ici, tu vas aller mourir, grave. Tu dis, hein? Je te dis, si tu ne viens pas maintenant parler, tu ne cherches pas à me voir. Je te dis, hein, moi je t'avertis, je suis quitté la nuit. C'est ma première parole, je suis en train de donner à quelqu'un ce matin. Parce que moi, je prie. Hier, je t'ai vu, ta tête était comme un varan. Je t'avertis, on est rentré dans le bureau. Je ne suis même pas revenu sur le jeu, je t'ai regardé. Tu as dit ce que tu pouvais dire. Je ne t'ai rien dit. C'est ce qu'on appelle la comédie des gens. Cette nuit, Dieu m'a dit cette femme. Voici. Si elle ne parle pas, voici ce qui va l'arriver. Tu sais ce qu'on appelle cancer des os. C'est-à-dire que tes os, là, ça va se broyer comme ça. Comme papier poudre. Ben, tu as trop fait. Tu as trop fait. Et tu m'as parlé de toi. Tu as fait. Tu as fait. Tu peux discuter ça. Amen. Dieu, il m'a jamais menti. Si tu vois la Côte d'Ivoire, là, moi, je mets dans le village les plus dangereux. Je les poursuis dans la boue, dans le cacao, puis les attrape les orgies. Ça, ça ne m'a jamais trompé. Si je reviens sur un sujet pour dire, lui, il est sorcier. Pour pas le défendre, il est vraiment sorcier. Moi je défends pas, je délivre les sorciers. Or, bouche de sorcier peut le tuer lui-même. Vos bouches là, ça vous tue. Vos bras dans le sac, vous dites non, ce gars là, il va pour moi. C'est pour moi qui est ici. Or, ça là est lié à ça. C'est la bouche qui le tue. Je t'ai déjà averti. Dieu me dit, si tu parles pas aujourd'hui, que tu es parti avec tes conneries là, tu parles, tu vas avoir cancer des os. Je suis prophète de l'Éternel. Amen. Moi, je sais que Dieu ne m'a pas bipé, m'a appelé. Amen. Je me lève matin pour te donner une parole. Je ne peux pas jouer ça. Hein. Si je te donne une parole, je ne peux pas jouer ça. La colère de Dieu est comme ça. Sur toi. Madame, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est la plus vérité. Si vous discutez, quand vous allez partir, là, vous allez tomber. Continuez, fais un. Continue. Ce que tu es en train de faire là, ça va retourner contre toi. Ici, on délivre les gens. Ici, là, on délivre les gens. On les aide à quitter la sorcellerie. Celui qui ne peut pas, spécialement, Dieu m'a parlé spécialement de toi. C'est-à-dire que ton dossier là, c'est sérieux. Ah. C'est toi qui ne connais pas Dieu. Moi, je parle à Dieu comme je chante par les doigts. Moi, dans ma chambre, là, c'est la chambre des anges. Il y a l'apparition des anges. Il y a des choses, des mystères avec Dieu. Moi, mon intimité avec Dieu, c'est trop terrible. Si Dieu te dit matin, Dieu m'a parlé de toi, c'est que c'est sérieux. Il faut changer. Moi, je vais faire coin. Ça va te terrasser. Lui, là, quel est venu, il était grand sorcier. Mangeait d'âme. Il a mangé. Il a une sauce arachide. Quel est venu dans la chasse du village de sorcellerie? C'est le délivreur qui l'attaque.
Les gens l'ont chassé. Il n'a pas un endroit où dormir. Hein. Moi qui dois le délivrer, là. C'est moi qui veux manger la nuit. Et puis il y a eu affrontement. Il est tombé. Ses parents vont le prendre. Hein, que lui, il n'a pas besoin pas être délivré. De toute façon, il a tué les gens. Il faut finir avec lui. Tu nous donnes. On va aller se promener avec lui. On lui dit faut courir un peu. On met pour sur lui. Moi, il a dit non. Je l'ai récupéré. Il est interdit de séjour dans son village. Sa famille m'a rejeté. Je l'ai récupéré. Quand il voyage, il dit va chez moi la maison. Restez chez moi la maison. Moi, j'aime l'homme. J'aime pas la sorcellerie. Sorcellerie, là, moi, je n'aime pas ça. Là, c'est qui toi, tu as là, c'est pas petit. Donc, il faut choisir entre avoir cancer des os et puis entre être délivré. Il faut faire le choix. Sinon, je t'ai parlé ce matin. C'est la parole de Dieu que je vais te donner ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes au front spirituel ce matin. Amen. Amen. J'ai dit, il faut que ceux qui ne veulent pas voir Crasso avancer, que moi, il m'a assis hier, regardez leur tombe. Amen. C'est comme ça, chacun donne sa parole. Oh, eux, ils veulent voir ma tombe. Ok? C'est moi qui dois voir pour vous. Amen. Je vous donne la parole tout à l'heure. Il faut être un homme révolté. Alléluia. Amen. Tu es dans une situation et quelqu'un vient t'imposer quelque chose. Un matin, tu te retrouves dans une affaire bizarre. Tu ne peux plus t'en sortir. Et il est en train de tout faire. Parce que son objectif, c'est de te voir mourir. Son objectif, c'est de te voir dans l'humiliation. Ça doit retourner dans son camp. Amen. Cette journée est faite pour ça. Amen. Jeûner pour ça. Nous allons nous amuser, nous allons jeûner parce que la vie n'a pas de prix. Et puis il y a un faux sorcier va venir me tuer. Mais qui? Va venir me tuer. Et tout ce que Dieu a dit, c'est moi, va venir m'éliminer. Oui, si tu ne prends pas au sérieux, tu ne l'aimes pas, ça arrive, ne même pas s'accomplir. Dieu a dit, mais c'est ce que Satan veut. Il veut faire de Dieu menteur. Parce que Dieu a dit des choses. Or, c'est pour cela que quand Dieu commence à combattre, Dieu rentre dans le combat, dans le jeu, et puis frappe. Parce que la réalité, le diable veut faire de Dieu menteur sur ta vie. Or, il y a tellement de promesses. Tu vas te marier, tu vas avoir telle chose, tu vas avoir telle bénédiction. Le diable n'est pas content. Il est en train de s'opposer à ça. Vous ne pouvez pas défendre le sorcier. Le sorcier lui-même, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. Moi, je te donne ma parole matin, là, ça va s'accomplir. Ouh, ça là, je te dis la vérité. Je me connais. Demandez au sorcier matin, tous les sorciers savent qui je suis. Quand il dort, quand le sorcier dort, il réveille l'accouchement. Mais, façon souris, quand il rêve, puis voit chat, il a peur. C'est comme ça, les sorciers, quand ils regardent dans le rêve, ils voient le prophète Crasso, ils tremblent, l'accouchement. Je suis fabriqué pour eux. Dieu m'a fabriqué contre eux. Amen. Ça cause Dieu, il a été fabriqué. Amen. Ça a beaucoup de fierté de faire ce travail. Moi, il me lève matin pour dire que tu es sorcier. Je sais ce que Dieu m'a dit sur toi. Donc, il ne faut pas faire ta petite honte. Bizarre. Il faut accepter petite honte. Il aura grand honte. Or, dans grand honte, là, il y a diarrhée dedans. Tu seras humilié. C'est pas amusement. Quand il te dit la colère de Dieu sur toi, il faut changer. Ici, on change. Amen. Amen. Ici, on change. Il y a des gens qui se déplacent, puis ça va vous dire, je suis sorti, je suis fatigué. Je suis fatigué de manger. Je fais du gras, je fais le temps. Je suis fatigué. Il faut changer. Donc on les délivre ici. Amen. On les délivre.
que Dieu nous aide. Amen. Celui qui veut changer, Dieu le délivre. Amen. Non, Dieu est prêt à changer celui qui veut changer. Comme ça, Dieu est. Moi, je ne négocie pas la sorcellerie. Quand vous protégez un sorcier, c'est-à-dire c'est association de malfaiteurs. C'est-à-dire toi-même là, tu cautionnes ce que la personne fait. Tu es d'accord. Quand la personne pêche, lui est ensemble, vous partagez le même péché. Quelqu'un qui mange âme, tu dis non, il ne mange pas. Lui, tu protèges. Pourquoi? Alléluia. Donc nous allons nous révolter ce matin contre le Goliath de notre vie. Quand le Goliath se lève, il vient mettre un obstacle tel que la maladie. Il va venir mettre la maladie dans ta vie pour t'empêcher d'avancer. C'est des choses que nous avons brisées au nom de Jésus. Amen. Oui, les choses que nous avons brisées. Il t'empêche d'avancer. C'est des choses que nous allons briser. Écoutez, nous allons prendre le psaume 35. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est notre petit déjeuner spirituel. Amen. Amen. Pendant que tu prends café, beurre, demi-pain, d'autres mangent la cité. Si tu n'es pas moi, villageois, on m'a répliqué. Moi, je suis villageois. Je ne suis pas là pour vos sucres, on met un pilote de diabète. C'est répliqué. On met 60 balles et rien en haut. On est parti. Tu vois ton gros gobelet, donc tu es rassasié, tu es parti. C'est pas même rassasié. Tu as mangé plein de pain. Moi, il m'a dit que je suis rassasié. Je suis la joie. Mangez vos sucres, vous allez avoir diabète le matin. Non, moi, il m'a dit. Aïe. Vous qui mangez pain, café là, vous allez avoir diabète. Oh. Sucre. Nos parents ne prenaient pas diabète. C'est nous, on fait comme les blancs. Maintenant, c'est le monde, on court. Il n'est pas café, vraiment. Bon villageois. Tu m'as recouché, il n'y a pas de problème de diabète. Donc, on va prendre un recouché spirituel. Pardon, excusez-moi. Ça n'existe pas, il n'y a pas de recoucher spirituel. Nous allons prendre un déjeuner spirituel. Amen. Amen. Pour avoir assez de force. Amen. Amen. Afin de pouvoir affronter ce combat. Amen. Il faut qu'il tombe. Amen. Amen. Il faut qu'il tombe. Nous prenons le psaume 35. Vous allez comprendre un peu. Le psaume 35. Nous allons comprendre un peu le combat. Amen. Amen. Le psaume 35. Éternel. Éternel. Défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Or, l'adversaire, c'est celui qui s'oppose à toi. C'est-à-dire, toi, tu es là, non? Mm-hmm. Et puis, il vient. Mm-hmm. Il fait comme ça. C'est ça, l'adversaire. Pas celui qui est derrière. Celui qui est devant, il t'empêche. Défends-moi contre mes adversaires. Celui qui est devant moi, défends-moi contre lui. Oui, allons-y. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent dans le secret. Il y a des gens qui te lancent des flèches. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Montre à Dieu que tu es l'Éternel. Jehovah Shabbat. Lève-toi. Parce que par moment, Dieu porte trahi. Dieu, ouais, là, il porte trahi, il s'habille, il en trahi. Quand il prend la porte, il m'appelle Jehovah Shabbat. L'Éternel, le Dieu des armées. Il dit ce combat-là, voyez ton nom, lève-toi et porte ton trait. Viens, viens me défendre. Brandis la lance. Brandis la lance. Et le javelot contre mes persécuteurs. Contre mes persécuteurs, ceux qui me persécutent, me terrorisent. Je suis là, j'ai migraine, viens, il tape sur ma nuque. Il y a des gens avec les sorciers, les tapent toujours sur la nuque. Ils ont migraine. Allons-y. Dis à mon âme. Dis à mon âme. Je suis ton salut. Je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Il y a des gens pour rien dire, allez, il m'énerve. Là, il m'énerve. Non, il m'énerve. Je ne sais pas, mais il m'énerve. Ceux-là, il faut que Dieu les confonde. Pourquoi il est énervé? Pourquoi? C'est toi qui dois avoir honte. C'est qui t'en les faits là? Tu vas te donner la honte. Allons-y. Qu'il recule et rougisse ceux qui méditent ma perte. Qu'il recule et rougisse ceux qui méditent ma perte. Il y a des gens qui sont là et leur, tous leurs souhaits, c'est de devoir jouer dans la tombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi qui ai été envoyé dans la tombe. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les techniques. J'ai lâché un peu des choses.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, je vais vous donner âme chimique. Âme chimique, là, c'est anticonventionnel. Allez, on ne prend pas ça pour faire guerre. Mais quand un pays a ça, on le respecte. Amen. Quand tu as âme chimique, toutes les nations te respectent. L'Iran veut faire, et les États-Unis vont négocier avec. Mais quand tu as ça, tout le monde a bouche bée. Je vais te donner âme chimique. Amen. Amen. Ta petite pistolet, sous ça, sur ce jouet. Petit pistolet, ouais, un calibre 12. Si tu as calibre 12, c'est le seul à te manger. Mais il va prendre ça comme on a deux os, il prend, puis t'écrase. Je vais te donner âme chimique. Ouais, spirituelle. Quand quelqu'un commence à avoir âme chimique, spirituelle, les sorciers vont les respecter. Amen. Toutes les nations de la terre, les grandes nations âme chimique, viennent dans ça. L'Afrique du Sud. Quand tu ça, les nations te respectent. Quand tu parviens, ok, ok, tu as raison, ok. Là, ils savent. Quand tu as déclenché ça, le pays à terre. Tu mets le pays à terre. Les petits petits pistolets, bizarre, bizarre. Donc, vous avez dit sorcier pour donner l'âme chimique. Amen. Cette journée-là. Nous rencontrons cela à 17h. Je vais t'équiper. Amen. Je vais t'équiper. On sent les petits malins bizarres là, on va les faire tomber. Amen. Allons-y. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Il doit dégager. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia. Amen. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Vous savez que dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel, c'est la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On dit l'ange de l'Éternel, c'est la représentation de Jésus. Il s'est révélé à Melchizedek, dans la Bible. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, il y a des anges, mais quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était la représentation. Il était Jésus le chasse. Allons-y. Que leur roue soit ténébreuse et glissante. C'est eux, dans leur camp, on va envoyer ténèbres. Amen. Amen. Comment sorcier lui vient, puis c'est dans ta chambre, il vient faire réunion. Et dans ton salon, il vient préparer. C'est ma foutaise. D'autres mains viennent manger sur toi. Ton dos devient table. Il met son foufou là, là sur toi. On a vu ça ici. Il prend sa mamie chez le mec terrain. Quand il lève ma tête, tu manges comme ça. C'est dangereux. C'est-à-dire qu'ils lui mènent un bain qui était, ils en fichent de toi. Au lieu d'aller voir le menuisier pour faire table à manger, c'est si ton dos là il vient. Demande qu'il se fout de toi. Il met, quand tu te lèves, voyez modéré. On dit hernie discale. Allons-y. Car sans cause. Écoutez très bien. Ils ont tendu le filet. Car sans cause, il n'y a pas de raison. Les sorciers, ils disent non, mais ils mentent. C'est pas que je suis bon, tu veux me gâter. Sinon, il ne m'a pas donné la race pour toi. Si, moi, je donne à qui il veut donner. Je ne suis pas obligé de bouquer pour toi. Va chercher pour toi. Il a demandé l'argent, il ne m'a pas donné, mais chacun cherche pour lui. Va chercher pour toi. Il a demandé pain pour payer, la personne n'a pas payé. Ah, mais je n'ai pas les moyens. J'ai mes enfants, je dois m'occuper d'eux. Moi, c'est à vous, je travaille pour vous bien. Moi, ça a bouché, moi, il doit donner l'argent. Sans cause, ils m'ont tendu un filet. Ils sont là, ils te guettent. J'ai donné comme cabri. Ils te poussent la nuit un filet. Sans cause. Amen. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Écoutez, c'est qui choque. Ils l'ont creusé, c'est qui l'ont fait là pour te ôter la vie. C'est pour te tuer. Allons-y. Que la rune les atteigne à l'improviste. Que la rune les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus. Allons-y. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Très bien. Ce que vous avez fait contre moi, c'est ce qui va vous prendre. Qu'ils y tombent et périssent. C'est ça, non? Vous voulez me tuer. C'est vous qui allez tomber dedans, vous allez périr. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Et mon âme, écoutez très bien. Il dit, c'est quand ils vont périr là que mon âme aura de la joie en l'Éternel. Il sera content. Ok. Tous mes os diront. Tous mes os. Éternel. Éternel. Qui peut
comme toi a délivré le malheureux d'un plus fort que lui. D'un plus fort que lui. Alléluia. Amen. Il représente comme l'homme fort de ta vie. Qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche. Il faut que Dieu te délivre de la main de cet homme fort, sorcier. Un gars bizarre comme ça, c'est lui qui va venir te manger. Le malheureux et le pauvre, celui qui l'a dépris. Et puis les enfants sont là, un faux type comme ça, il va venir te manger. Il va préparer sauce, gombo, il va venir te manger. Et les enfants. Mais il va penser aux enfants. J'aimerais mes enfants. Ils s'en fichent. En te détruisant, il détruit toute une vie. Amen. Amen. Parce qu'il y a l'âge que tes enfants aujourd'hui, mais le sorcier a décidé de l'éliminer. Allons-y. De faux témoins se lèvent. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. C'est des faux témoignages qui rendent toi. C'est-à-dire, il les lève à terre. Il n'y a pas de raison, il ment. Non, il n'a pas donné l'argent, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Ok, tu vas te baser sur ça pour pouvoir me détruire. Non, c'est mon argent. Si tu veux que je donne, ok, je dois aussi ne pas oublier ma maison. Ne vous oubliez pas par moment. Hein. C'est ça votre record là. Quand vous savez, quand quelqu'un est vous, il a une emprise sur vous, spirituellement sorcier, quand la personne vous appelle pour lui donner 100 000, vous n'avez pas à vous chercher, vous donner. Vous tremblez. C'est là pour travailler pour la personne. Or, c'est à partir de l'argent qu'on garde beaucoup de choses. Amen. Moi, j'aime bien donner l'argent, mais je sais à qui je donne. Amen. Oui, je sais à qui je donne. Quand je te donne, là, c'est pour bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Il me rend le mal pour le bien. Oui. Il me rend le mal pour le bien. Le mal pour le bien. Ils sont ingrats, méchants. Le mal pour le bien. Moi, je fais du bien, je t'aide. Or, ce qui est dans ta tête, c'est de me nuire. Tu es là pour me détruire. Tu me guettes. Tu souris, mais ton cœur est noir. Il y a des gens comme ça. Amen. Tu apportes tout, tu fais tout. Mais le cœur est noir. Un sourire hypocrite. Il est là, il te regarde. Toute sa pensée, c'est demain sous la voiture. Donc quand tu es. Pourtant, tu as rendu beaucoup de services à cette personne. Mais elle a décidé de t'éliminer. Sans problème. Elle est là. Elle te regarde. Elle te détruit. À petit feu. Sans, je rends d'elle. Tu me rends le mal et le bien. Je t'ai fait du bien et toi en retour, tu me fais du mal. Allons-y. Et moi. Et moi. Quand ils étaient malades. Quand tu étais malade, tu avais un problème. Zadi. Quand tu avais un problème. Allons-y. Je revêtais un sac. J'ai prié pour toi. Je me disais mon âme par le gène. Je priais. La tête penchée sur donc, mon. Donc c'est toi qui es mon sorcier. Il dit, pendant que toi tu étais malade, tu avais les problèmes, je faisais tout pour te soigner. Ja, que chez nous, encore une fois, on dit Ja, ça y est, j'ai trouvé ma chose. Ja, c'est toi. Écoutez. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Oui. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'ensemble. Quand il y a des difficultés, commence à sourire. Et quand il y a des problèmes, ils sont contents. Quand c'est quand il y a des problèmes. Quand il y a des difficultés, ils sont la richesse des mauvaises nouvelles. Quand ça va chez moi, non. Et quand ça ne va pas, là, ok, tu vois, il entend lancer les coups de fil. Mais j'ai manqué. Allons-y. Ils s'assemblent à mon insu pour nous trajet. Ils s'assemblent à mon insu, la confrérie. Ils vont m'éliminer. Ils me déchirent sans relâche. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies. Avec les mauvaises personnes.
les parasites, moqueurs. Amen. Amen. C'est important de savoir qui vous marchez. Jésus un matin l'a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent quoi de moi? Amen. Amen. Quand vous êtes là, dans les moments difficiles, celui qui vient te soutenir, pour lui ça va aller, il faut commencer à le prendre au sérieux. Quand quelqu'un a une information sur toi, bizarre, il vient te partager pour lui telle chose. Amen. Amen. Pas les gens qui sont là, qui sont à la recherche d'une information, partagez ailleurs. Fais très attention. Amen. Amen. Je toujours dis, moi chez moi, là, je bats tout le monde qui vient. Je suis désolé. Blanc. Le monde qui va venir chez moi. Blanc, quand il a combattu la sorcellerie, Blanc a compris que bonjour, mais ça fait peur. Et il a même aimé que toi, il n'a pas obligé. Dans l'ascenseur, il te regarde. Où est-ce que son journal? Mais il ne sait pas qui. Zadi qui a goûté. Peut-être il mange l'homme, il ne sait pas. Bon, en lui disant peut-être bonjour. Mais ils avancent. Or, nous, on cherche à savoir Zadi là. Il faut que les gens camarades aient lui dans le livre. Oh, déjà, c'est ton mangeur d'âme que tu as trouvé là. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup connu. Excusez-moi, hein. Je ne cherche pas les gens matin. Je n'aime pas connu. Les endroits où il n'y a pas de secret, là, il n'y a pas dedans. Il doit avoir ce qu'on appelle le secret d'État. Le jour où on rentre dans le cœur, le moteur des États-Unis pour balancer tous les secrets, les États-Unis ont commencé à pousser l'enfant qui a fait ça. Il a annexé de les protéger par les Russes. Vous devez avoir des secrets. Il y a des choses qu'on ne doit pas partager, c'est pour toi, c'est pour ton avenir. Or, quand l'ennemi a ça, il te détruit. Il a la richesse de ça. Amen. Tu avec ta femme pour être sûr qu'elle ne mange pas l'homme. Si tu es un monsieur, il faut être sûr qu'elle ne va pas débraiser pour moyen de quitter. Amen. Si tu as le petit là, il faut être sûr qu'il ne va pas te transformer en poulet demain. Pour te manger dans la règle de nous. Amen. Ne marche pas n'importe qui. Ouais. Celui qui te marche, il va te couper. Trahison c'est bien, mais il a livré. Et il ne savait pas où attraper Jésus à cette période. Jésus, il n'est plus quand fatigué. Vous les jugez, allongez à Jasmané. Or, Jasmané était le lieu de prière où les gens se rassemblaient pour prier. C'est là-bas qu'ils ont pris Jésus. Ils ont maîtrisé le secret de Jésus. De la présence de Dieu, il allait attraper Jésus. Il y a des choses que les gens ne doivent pas savoir. C'est pas n'importe qui doit rentrer dans ta chambre. Vous faites dormir les gens partout sur vos lits. Ah non, c'est ma camarade. Tu sais quelle c'est qu'elle est. Tu sais où est-ce qu'on va? Amen. Tu sais où est-ce qu'on va? Non, c'est ma camarade, sa tête, c'est ma copine. Allons se laver. Elle met ton courage, dès que tu vas te laver avec elle. Dès que tu tournes, elle dit, ah, mais elle avait ton dos comme tu vas. Dès que tu l'as, elle prend. Vous voyez le cadeau de l'esprit. Elle touche ton doigt la fille des jours. Elle va te. Le monsieur qui était chaud pour t'acheter une maison, il ne peut pas prendre. Les nerfs, quand tu dis allô, ah, je suis occupé. Tu comprends plus rien. Est-ce qu'il y a quelque chose? Un rêve ou bien? Bon, peut-être que les mauvais de numéro du mois aujourd'hui, il n'a pas bien dormi. Il attend vers 11h. 11h, c'est même. Tu ne dis pas gentiment, tu ne dis pas mal. On appelle ça bête. Mal. Bon, j'ai laissé la journée là. Aujourd'hui là, je ne parle pas chez vous. Dans des mecs que tu appelles le portable, tu n'as pas ce qu'il y a. Tu auras un bonjour. Tu peux correspondre un peu par des gens. Appelez. Fini, Bouddhi, c'est fini. Il a coupé un troisième. C'est un peu la peine de le chercher. C'est fini. À cause de toi-même, son numéro privé là, il change. Parce que la sorcière a décidé de te détruire. S'il vous plaît. C'est comme ça. Si je marche chez toi, je dois être convaincu que tu es moi. Amen. 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 Oui. On est trop famille, c'est bon, on a fait pour des familles. Mais c'est ça, il y a. Tu veux construire ta petite maison, petite case, tout le village. Là, on sait quoi?
Ok. Affaire quelqu'un qui ne maîtrise pas. Vous voulez faire affaire à vos parents, ils vont vous tuer, vous allez comprendre. Là, si ça peut vous prospérer, je ne prospère pas. La jalousie va prendre le cœur à l'image de Saül. Que j'ai commencé à bien parler de David. C'est la meilleure équipe, c'est la meilleure de mon petit frère. Ah, il est intelligent. Il veut ou pas, c'est comme ça. La jalousie, ça a touché son cœur. C'est comme ça. Deux fois, trois fois comme ça, pareil. Ah, c'est mon petit frère, c'est mon petit frère. Et puis moi, on parle pas bien de moi. La jalousie a commencé. Ok. Je vais lui montrer quelque chose. Il a commencé à faire sorcellerie. Ma tête, il y a le patron dit, monsieur, vous m'énervez, allez-y. Il met un genou de patron, pardon. Comme-même, tu sais qu'il y a des enfants, ma femme, elle a 7. Ouais, ils attendent le moment dans les moments bizarres. Bizarre. Toi, tu es convaincu que c'est sorcier qui a fait ça. Patron, tu sais ce qui t'a fait le faire. Patron, vas-y, debout. Parce qu'il y a misère dans son cœur. Il n'a plus de sentiment pour toi. Amen. Amen. Quand tu envoies l'argent, et puis on parle de toi dans la famille, tu vas voir. C'est pas tout le monde qui doit toucher votre argent. Il graisse des dents contre moi. Il graisse des dents, ça dit de là, il veut te manger. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Protège mon âme. Il n'a pas dit mon corps, mon âme. On les appelle les mangeurs d'âme. Protège mon âme contre leurs embûches. Parce qu'il veut prendre mon âme et transformer pour manger. Ma vie contre les lionceaux. Ma vie contre les lionceaux. Allons-y. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, les ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Amen. Je ne dois pas être content. La victoire doit être dans mon camp. Amen. Allons-y. Que ceux qui me haïssent sans cause, ne m'insultent pas du regard. Oui, ne m'insultent pas du regard. Vous dites, ce qu'on avait dit là, c'est arrivé. T'en vas tu peux. Tu devais malin, la te voici aujourd'hui. Tu es venu au village comme vous. Tu parlais, là, t'en vas